Yogo bonjour, go bonsoir pour tout le monde, ça dépend de qui le regarde la vidéo ça. Bienvenue sur la chaîne qui c'est nouvelle neuf jeudi à la vidéo ça. Nous pourrons présenter bilan police nationale d'Haïti lui-même limité dehors à travers commissaire municipal qui c'est porte-parole PNH là, Monsieur Gary Deosé. Eh bien, dans l'opération Silla, on a fait connaître qu'il y a 17 bandits qui tombaient, Thomas Kandal et Tigre, avec 17 âmes qui saisissent, puis plusieurs autres véhicules qui saisissent dans l'opération Silla. Ça qui nous pas trop tardé, on a levé des porte-parole la police à lui-même qui c'est Gary Deosé, qui a bail bilan opération ça. Et c'est pour une fois, parce que Chanel, ça a pas oublié pour abonner à la chaîne là, et puis petit bouton notification à mettre sur tout, pour pas rater aucune vidéo n'a gagné pour nous publier pour vous. Avant de faire des porte-parole là, n'a pas un coup de pause, n'a pas tourné, pas le droit pas abonner. Mardi 26 mars 2024, Direction générale de la police nationale d'Haïti. Dans un moment difficile, n'a traversé depuis dernière semaine ça yo, sorti 29 février 2024 et aujourd'hui à côté la police fait face déjà à plusieurs bandits armés. Côté bandits ça yo, fait plusieurs attaques déjà à exam sous institutions publiques à privées. Également à quartier côté population paisible à vivre. L'en a considéré. Attaque répétée qui fait sous palais national. Attaque qui fait sous deux prisons nouées, à savoir prison civile de Port-au-Prince et prison civile de la Croix-des-Bouquets. Et suite à attaque ça, il provoque une évasion. Attaque qui fait sous sous-commissariat, sous commissariat, sous base Simo, sous base Boyd, aéroport. Attaque qui fait tout sous école et académie police là. L'hôpital, l'école et université et l'atrier. Côté que la police menait déjà plusieurs interventions et opérations pour mettre en déroute bandits armés. Côté la police, en fonction du moyen, défendre plusieurs quartiers déjà. Tankou, Pétionville, Delma et quelques quartiers dans le centre-ville. Côté tout, la police défend avec moyen palais national, BRH et concours sécurité BRH. Comme bilan partiel, la police saisit 17 ZAM, Pamio, M4, Uzi, Fusil de calibre 12, AK-47, plusieurs pistolets de calibre 9 mm, à plusieurs chargeurs et cartouches, et bon véhicule qui confisqué. Gain pour Pipiti, 17 présumés bandits qui blessés mortellement suite à échange de tir avec la police. Pamio, Macandal, ainsi connu. Également, Ernst Julmé, qui continue que les Tigreg, qui c'est un ancien policier. La police a renouvelé, yon l'autre fois, détermination, engagement, volonté pour la bataille pour la population capable d'aller en souffle. Vous entendez, porte-parole la police, qui c'est commissaire municipal Gary Deosé, qui t'a menacé là pour ensemble opération qui est PNH ta lui-même, lui mené en Haïti, sorti 29 pour arriver 26 mars 2024. Et bien, ça, même si là, mettez un fait dans la vidéo, ça, n'a dit merci parce que t'as regardé la vidéo, ça, sur Nouvelle Neuf. Pas oublier pour abonner avec la chaîne là, et puis, petit bouton notification, mettez-le sur tout, pour pas rater prochaine vidéo, n'a bien pu publier pour vous. Pas jamais oublier ça, papa, ici. Haïti pas de sécurité, c'est où pour gérer tête ou, faire un pile prudence. Ciao!